Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un petit tuto pour vous montrer comment vous pouvez augmenter votre mémoire dédiée. Alors, avant de commencer, je vais vérifier moi ma mémoire vidéo pour voir combien j'en ai. Vous allez faire clic droit sur l'écran et cliquer sur paramètres d'affichage. Une fois dans paramètres d'affichage, vous allez descendre en bas, cliquer sur paramètres avancés de l'écran. Je suis sur Windows 11. Ensuite, sur propriété de la carte vidéo pour l'écran. Ok, là vous allez voir que je suis à 2048 mégaoctets, donc 2 gigas. Alors, je vais essayer d'augmenter ça à 5 gigas. Avant de commencer, like la vidéo, partagez et n'oublie surtout pas de t'abonner. Active aussi la cloche au cas où je vais publier d'autres vidéos. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour augmenter ta mémoire vidéo dédiée? Tu vas appuyer sur Windows plus R. Il y a une fenêtre qui va sortir à gauche. Ok, tu vas taper Reg Edit, Reg Edit. Tu vas valider par entrée. On va te demander, tu fais oui. Ok, on te demande là-bas, tu fais oui. Là, voilà dans Reg Edit. Alors, on va remonter vers le haut. Tu vas cliquer sur la fléchette devant HK Local Machine là. Tu vas dérouler. Tu vas dérouler aussi Software. Ok, tu vas aussi dérouler Intel. Maintenant, tu vas faire clic droit sur le dossier Intel. Ok, tu vas faire clic droit. Maintenant, tu vas te rendre sur Nouveau et tu cliques sur Clé. Quand tu vas cliquer sur Clé, tu vas nommer le dossier là GMM. Ok, voilà. GMM, tout en majuscule. Là, maintenant, tu vas faire clic droit sur GMM ou soit tu peux aller à droite sur l'espace vide là. Ok, tu fais clic droit, tu vas dans Nouveau et puis tu choisis D-Word 32 bits, valeur D-Word 32 bits. Là, tu vas mettre le nom exactement comme ce qui s'affiche là-bas pour moi. Ok, le nom c'est ça, Dedicated Segment Size. Tu ajoutes exactement le nom comme ça, D en majuscule, S en majuscule, S de segment là et S de size là aussi en majuscule. Ok, quand c'est bon, tu vas faire clic, c'est-à-dire double clic sur ce que tu viens de créer là. Tu vas choisir décimal. Décimal, maintenant tu vas choisir la capacité là. Moi c'est 2048 mégas qui fait 2 gigas. Je vais augmenter ça à 5 gigas. Alors 5 gigas, ça fait 5120 mégas. Ok, si je tape ça, je fais ok. Quand c'est ok, maintenant il me reste à redémarrer l'ordinateur. Vous voyez bien que ça change là-bas à 5120. Alors, il faut redémarrer l'ordinateur. Vous devez savoir que ce tutoriel, ça marche sur certains ordinateurs et uniquement les ordinateurs qui exécutent Intel comme processeur. Ok, chez moi, ça marche à merveille. Alors, je m'en vais redémarrer mon ordinateur. Mais premièrement, je vais vérifier. Vous allez bien voir ma carte vidéo. On va descendre, on va revoir ça. C'est à 2 gigas. Dès que si je ne redémarre pas l'ordinateur, ça ne va pas changer. Vous voyez, c'est toujours 2048 mégaoctets. Alors maintenant, je vais redémarrer mon ordinateur pour voir si ça marche ou pas. Alors, je viens de redémarrer mon ordinateur. Je vais alors vérifier. On fait toujours clic droit et ensuite on clique sur paramètres d'affichage. Ici, nous allons descendre en bas, paramètres avancés d'affichage et aussi propriété de la carte vidéo. Si vous voyez bien, ici, c'est devenu à 5120 mégaoctets comme ce que j'ai tapé là-bas tout à l'heure dans l'éditeur de registre dont je viens d'augmenter ma mémoire vidéo dédiée. Alors, sur certains ordinateurs, si ça ne marche pas, je vais vous trouver quelques solutions pour voir comment vous pouvez augmenter votre mémoire dédiée virtuellement. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo.